Notre pote a fait de la télé-réalité, donc bien sûr qu'elle a déjà couché avec tous les mecs de télé. Hein? Vrai ou faux? Oui. Mais avec qui? Dis-moi dans la date. Pas 4. Mais il est en coup. J'ai toi, il va se reconnaître. J'ai entendu Anthony. Mais Anthony qui? Pause. Next. Et elle a dit qu'il avait une grosse. Bien évidemment qu'elle a plein de pires ennemis dans la télé. Écoute, c'est normal. À l'intérieur, tout le monde est ami. À la sortie, tout le monde est ennemi. Que des hypocrites. Exactement. Enfin, ça dépend des gens. Par contre, vous deux là, je vous préviens, toutes les personnes de télé-réalité avec un prénom qui commence par un M, je vous interdis de les voir. Elle parle de Mila. Non. Grâce à la télé, elle est devenue millionnaire et qu'elle nous achète tout ce qu'on veut. C'est la meilleure. Merci Sugar Mami. Pas tes yeux. J'ai fait de la télé-réalité et bien sûr que j'ai déjà vu un plan A3 dans une émission de télé-réalité. Laquelle? Des indices, dis-nous. Je vous le dis, mais sur YouTube. Allez, stop la vidéo, stop, ça y est, c'est fini. C'est l'ex à Vivian. C'est fini. Je vais prendre Kizou, je vais lui faire trop peur, regardez. Vas-y, je vais acheter un grec, j'arrive. Vas-y. Regardez, il ouvre les rideaux parce qu'il a peur dans le noir. Il a peur tout seul. Je vais lui faire peur. Hey, y'a qui chez moi? Y'a qui chez moi là? Il a toujours pas capté qu'il était dans la salle de bain. Ah! Hey, qui chez moi là? C'est pas toi le père. La dernière fois qu'on a fait des trucs, c'était à 3 mois. Bien, bébé, la j'étais fois, c'est pas toi le père, wesh. Hein? Il y a 3 mois, c'était pas toi le père. Oh, reviens là. Eh, hey, ça fait 5 mois, on est ensemble, y'a Zebi. Comment ça peut pas être lui le père? Mais wesh, tu m'as trompé. Wesh, mais wesh, toi tu me trompes. Ouais. Mon cœur. Oui. Je vais t'apprendre la vie d'une femme tous les mois. Ok. Ok. Ouais. Donc tous les mois, la femme, elle a ses règles. Bah moi, la femme, elle a ses règles, mon cœur. Oui, c'est vrai. La preuve. Ok, quand on a nos règles, on fait quoi? Ah, t'as mis tes règles dedans. Oui. Ça, c'est quoi? Ah. Écoute-moi, ça, c'est quoi? Bah, c'est un tampon. Ok, donc le tampon, il sert à quoi? Il sert à le mettre dans le trou qu'on a. Oui, dans la chatte. Dans le chou-fleur, pardon. Oui, donc on met comme ça. Tchou. Là, faut bien trouver, tu vois, avec l'applicateur, tu le mets. Mais là, il n'y a pas d'applicateur, là. Non, mais c'est pas grave, tu peux faire avec les doigts. Okay. Donc, avec les doigts? Oui. Ah, je mets. Donc, donc tu mets comme ça, t'attends, et au bout de 2-3 heures, tu retires le tampon parce qu'il grossit. Tu gardes 3 heures ça dans ta fouf. Oui, ou tu peux même retirer avant. Et après, il est gros comme ça. Et après, il est gros comme ça, mon cœur. Et ça, tu dois changer tous les 3 heures. Ouais, j'ai bien compris. Voilà, pendant une semaine, mon cœur. Ok. Et après, il y a du sang. Attention. T'as mis ton truc dans ta chatte et après, tu me le mets sur ma tête. Aujourd'hui, on va pranker Zizou. Zizou, ouais. J'ai une surprise pour toi, viens. J'enlève ta mère. Bah, viens, ma mère, élève-toi. Ouais, je dis de sa mère. Attends, elle va cacher, vas-y, mets-lui les mains. Allez, c'est bon, viens. C'est vrai, ouais. Un truc, je dis. Ouais, je dis de sa mère. Vous me faites mal. Hein. Non, t'inquiète. Attends. Mais pourquoi on est dehors? Attends, mets-lui dans la main. On est dehors, moi, là, t'as peur. Mais. Attends, bouge pas. C'est quoi? Wesh, mon iPhone. Wesh, il est dedans. Stop, voilà, récupère-le vite. Les gens vont prendre Kanye avec un caleçon et une capote, elle va péter un câble, elle va croire qu'on avait des trucs hachèques, milchèques alors qu'il a occupé avec une meuf, wesh. Bah, moi aussi pour le coup, elle va péter un câble. Eh bébé, la tête dans l'air, ça fait 15 jours maintenant. Eh la meuf, elle rentre dans la voiture, elles sont mes chips. Elles sont mes chips. C'est une blague, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? La tête de ma mère, ça m'arouane maintenant. Ma mère, il a ramené une meuf. Elle foutait quoi dans la voiture de putain? Mais t'es malade, mais arrête de crier, elle a craqué son string, elle. Sur ma vie, c'est à lui. Hey, je mets pas des calbars comme ça, je suis la taille. Oh là, la vie de ma mère, c'est lui parce que bébé il voulait qu'on fasse des trucs comme ça. Ah, vous êtes sérieux, je vous laisse, je suis désolé. T'es sérieux? Mais c'est la merde. Bébé, je voulais dire que la merde, ouais. Non, mais ma vie, t'as toujours pas fini, on est en retard là. Je me dépêche, ma vie, j'ai bientôt fini. Promis. Allez, ciao, me dérange pas. Pourquoi elle m'a fermé la porte au nez? Tu fais quoi? Dégage, tu m'as fait peur. Mais je suis en train de me préparer. Bah non, tu joues à quoi? Non, je joue pas. T'es en train de me tromper? Non, pas du tout. T'es en train de me tromper? Non, je suis pas en train de te tromper. Tu fais quoi? Monte-moi.
Allez! C'est encore pire ce que je suis en train de faire. Tu joues à Dice Dream? Vas-y, tu vas me faire faire mon jackpot! 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 Bon, vas-y, montre-leur comment télécharger Dice Dream parce qu'ils vont devenir trop accros. C'est la meilleure application. Venez, je vous montre. C'est très simple. Pour télécharger le jeu, vous allez juste aller sur mon profil, à cliquer sur le lien juste ici, aller dans les trois petits points, ouvrir dans le navigateur, et ensuite vous allez atterrir sur Apple Store et vous pourrez télécharger Dice Dream. Vas-y bébé, sérieux, fais vite là. Ma mère elle est fatiguée, wesh. Pourquoi elle m'appelle Sarah? C'est qui Sarah? Ça va ou quoi Sarah? C'est qui, ouais, Sarah? Ça va tranquille et toi? Bah là écoute, je suis posée avec ma mère, on est en c'est voiture. Là on va déposer ma mère, je dépose Agnès chez elle. C'est et qui je Sarah suis... Hôtel Jacuzzi Sonama. Mais ça va pas dans ta tête. Mais ta non honte, mais sur ma vie, je suis. Tu l'as pas fait, je vais lui dire. Franchement, je te prouve là, je t'ai pas aidé. Eh, t'as pris du temps bébé, sérieux. Eh, y'a Sarah qui vient d'appeler. Sarah qui vient d'appeler. Oh, il a dit je vais à l'hôtel Jacuzzi. Oh, quoi? Hôtel Jacuzzi? Oh, t'es mytho. Oh, mais sur ma vie. T'es mytho, mais sur ma vie. Je vais à l'hôtel Jacuzzi. Mais arrête de mentir. Oh là là. Eh, ma mère, c'est une balance. C'est une balance. Madame, mettez le pied dans le baudrier, s'il vous plaît. Vas-y, bébé, je t'aime. Madame, le pied, s'il vous plaît. Ah non, j'ai trop peur. Madame, veuillez bien tenir les deux cordes, s'il vous plaît. Bébé, t'inquiète, ça va le faire. Ah non, j'ai trop peur. Tenez les deux cordes, madame. Les deux mains sur les cordes. Okay. Veuillez tenir les deux mains avec la corde, s'il vous plaît. Les deux mains, là. Allez, bébé, saute, je t'aime. Je peux pas bosser, madame, veuillez sauter, s'il vous plaît. Je peux pas. Tenez bien la corde. Non, vas-y, bébé, je t'aime, s'il te plaît, saute. Non, mon cœur, je t'aime aussi, mais je peux pas sauter. Bébé, on se marie si tu sautes. Madame, veuillez sauter. Je vais pranker Zizou avec de la glu, le pot il va jamais s'ouvrir. Bébé, tiens mon cœur. Mais d'abord, tu me mets un plaid rose là. C'est bon, on s'en fout. Non, ma virilité. Tu peux m'ouvrir s'il te plaît, mon cœur? Hein? Non, j'arrive pas. Dépêche-toi, bébé, j'ai très très faim. T'es sérieux ou quoi? T'as pas de force ou quoi? Mais quoi dessus? Y'a un truc qui. Ta virilité là, t'as pas de force hein. Plaid rose ou pas plaid rose. Ah, Isa, mais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est pas normal, d'où moi j'arrive pas. Mais bébé, t'as pas de force, c'est pas. Je l'ouvre, je suis musclé. Vas-y bébé, s'il te plaît, concentre-toi mon cœur. Mais bébé, mais t'as pas de force, mais j'ai honte pour toi là. Mais bébé, mais t'es sérieux ou quoi? Regarde ton pot. Regardez là, arrive toujours. Oh. Bébé. Bébé, oui ou non? Bébé, je suis un TikTok. Moi, c'était chiant. Oui ou non? Oh vas-y, j'aime pas ton jeu sur ma vie. Ok, à la fois que j'ai joué à ce jeu là, j'avais dit oui. Mm-hmm. Mais vu que tu crois que je suis bête, je vais dire non. Mais vu que tu penses que je suis pas bête, je vais dire oui. Mais vu que je suis bête. Du coup, tu dis quoi? Je vais dire non. Ok. Ok, oui bébé, désolé, mais je t'aime pas. T'es sérieux, tu m'aimes pas? Moi, Jazzy, tu m'aimes pas? Ouais. Je rigole, c'est vrai. Bébé, désolé, mais je suis pas ensemble de toi. Tomate barrée qui pleure la tête. Y'a plus de baby dans mon ventre, y'a plus de baby. Y'a plus de baby? Non. Désolée. Sur la vie de ma mère, pour faire un truc comme ça, tu m'aimes pas. Oh, mais bébé! Ah, regarde, il y a marqué quoi derrière la feuille? Regarde! Oh! T'avais même pas lu ce qu'il y a marqué derrière la feuille! T'es sérieux? Il écrit quoi? Bah, va lire. Oh, je suis choquée! Je rigole, t'es l'homme de ma vie. Les gens, aujourd'hui on est sur un sacré vrai prank. On va voir si Anya m'aime vraiment. Je vais lui demander de sauter dans le vide. En vrai, elle va sauter sur le matelas gonflé. Regardez les gens, je dois le gonfler avec ma bouche. C'est trop dur. Les gens, j'en peux plus, c'est bientôt gonflé. Les gens, il est enfin gonflé. Oh, ça me donne envie de dormir moi. Ah, Anya est là. Bonjour madame. Bonjour. Je vais le prank dans la prochaine vidéo. Montre-nous l'intérieur du sac d'Anya. C'est parti, vous allez avoir trop peur. Ok, alors j'ai un porte-monnaie pour l'instant, rien de choquant. Ça va. Ensuite, j'ai un chargeur sans fil. Okay. J'ai un autre chargeur avec des AirPods. Ça va en avoir deux? Je sais pas. Ensuite, j'ai un paquet de gâteaux périmés. Ouais. J'ai une tondeuse. Pour faire quoi? Pose pas de questions. Un vernis, un gâteau au cas où j'ai faim, un petit parfum, des clés, un rouge à lèvres, un paquet au cas où je pue de la gueule, un deuxième paquet au cas où je pue de la gueule, un troisième paquet au cas où je pue de la gueule, un cinquième paquet. Mais tu galèges toute la terre ou c'est comment là? On dirait la meuf, elle va embrasser tout Paris. Ah, regardez la gueule en bas. Il y a des paquets. Ah, mais c'est dégueulasse. Mais il est tout écrasé, bébé. Ça pour désinfecter. C'est pas un sac à main, ça. Ah non, mais là, bébé, je peux pas montrer, il y a trop de trucs. Hein. Bon, moi, je vais vous montrer bête de l'extérieur et regardez la crasse à la tête.
J'ai cassé ses rouges à lèvres. Je vais tuer, mais t'es sérieux ou quoi? Je suis en couple avec une folle, donc bien évidemment que je dois laisser la localisation sur mon téléphone parce que sinon je la trompe. Je suis en couple avec un fou, donc bien évidemment quand il s'énerve, il tape dans les murs. Je suis en couple avec une folle, donc bien évidemment que je n'ai plus le droit d'avoir d'amis et encore moins des amis de filles parce que c'est ma seule amie. Logique. Je suis en couple avec un fou, donc bien évidemment dès qu'il y a des mecs qui m'envoient des messages, il leur répond, il les agresse. Je suis en couple avec une femme, donc bien évidemment que je dois lui dire qu'elle est belle toute la journée, que je dois lui dire que je l'aime toute la journée alors que c'est absolument faux. Hein ? Avec un fou, donc bien évidemment quand je lui réponds pas, il m'envoie plein de points d'interrogation, en mode je suis en train de faire un truc bizarre. Je suis en couple avec une femme, donc bien évidemment que quand elle a ses règles, c'est la fin du monde. Bah oui, j'ai mal. Je suis en couple avec un fou, donc bien évidemment quand je ne lui réponds pas, il prend sa voiture pour venir voir ce que je fais. Je suis en couple avec une folle, donc bien évidemment qu'elle prend mon téléphone quand je dors et qu'elle le met comme ça devant mon visage pour déverrouiller mon téléphone. Et le pire du pire, c'est qu'elle a mis des caméras de surveillance dans les toilettes. Mais non, c'est faux. Arrête de mentir, je les ai trouvées. Je suis en couple avec un fou, donc bien évidemment qu'il choisit mes tenues avant de sortir. Je suis en couple avec une folle, donc bien évidemment qu'elle a mis un AirTag dans ma doudoune pour savoir où je suis en temps et en heure. Aïe. Bon, allez, c'est parti, j'ai 17 heures de vol pour rentrer en France et du coup je vais noter mes plats. Alors faut savoir que c'était une compagnie pas française. Du coup ce sera pas de la nourriture française. On commence par un truc rose, j'avais pas trop confiance. Et franchement c'était super bon. Et j'ai capté que c'était de la betterave. Donc franchement j'ai fait tomber. Bref, je mets un 10 sur 10. Le truc vert par contre c'était moyen. Mais j'ai fait genre pour la vidéo je mets un 3 sur 10. Ça c'est une feuille avec du riz. C'est dégueulasse, du coup je mets un 0 sur 10. Alors ça, je sais pas ce que c'est, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires c'est quoi, mais c'est dégueulasse. Je mets un moins 100 sur 10. J'avais ce goût ignoble pendant tout le vol, du coup, obligé de boire un verre d'eau. Et bien sûr, l'eau, 10 sur 10, parce que c'est la meilleure boisson du monde. Alors ça, je sais pas trop c'était quoi, et en fait, c'est un chausson au moine. Enfin, un chausson au fromage, du coup, 10 sur 10. Enfin, 9 en fait, parce que c'était pas ouf non plus, j'ai pas fini. De la salade verte, enfin, quelque chose que je connais. 10 sur 10. Alors ça, je croyais trop que c'était un petit truc, un petit carré de fromage, je sais pas, à péricube. En fait, c'était du beurre. Oui, vous avez bien entendu, du beurre. Bref, on passe au plat. On aurait dit une omelette. Allô, s'il vous plaît, regardez, il y a quoi à l'intérieur? Des vermicelles. Franchement, j'ai mangé que les vermicelles à l'intérieur. Du coup, je mettrais un 4 sur 10. C'était pas ouf. On passe ensuite à mon assiette de fromage et à mon dessert. Oui, c'est déjà fini. L'assiette de fromage, j'ai mangé que un fromage sur deux. Du coup, je mets 4 parce que j'avais encore faim. Fallait mettre des meilleurs fromages. Et ensuite le dessert, franchement il était trop bon, c'était, vous savez, comme les mochis. En gros vous avez du riz avec une boule de glace, enfin une boule de fruits, je sais pas quoi là. Sauf que c'était à la mangue, du coup j'aime pas la mangue, du coup c'était pas bon. Bref, je suis sûre qu'en économie ils ont mieux mangé, j'ai faim. Bébé, je fais un TikTok. Oui ou non? Ok, la dernière fois que j'ai joué à jeu, j'avais dit quoi? T'avais dit oui. Ok, donc faut que je dise non. Ouais. C'est le mieux. Ouais. Je vais dire oui parce que sinon ça va vraiment. Ouais, tiens, c'est ça, mec. Oui, bébé, j'ai eu le test, je suis enceinte. Mais non. Ouais. Mais d'une tomate? Non, d'un baby. Non, ça, c'est une tomate. Non, c'est un bébé. C'est un bébé. C'est un bébé, tu veux quoi? Bébé, je te quitte. Moi, tu me quittes. Alors qu'il y a un bébé. Aïe, mon bébé! Mais t'es sérieux, toi? Il est malade, lui. Mon bébé, tu me dirais pas ça sur mon baby. Je vous fais le room tour de notre nouvelle villa à Marrakech. Je voulais dire de Phuket. My god, regardez, il a tout trempé. Mais t'es sérieux, là? Mais c'est pas 10 ans. Alors déjà, là, vous avez la porte d'entrée avec... pousse-toi. La piscine, la pataugeoire private. Mais tu fais quoi dans mon bain, là? Non, mais regardez, j'avais préparé un bain, il va dans mon bain, là. Non, mais vas-y, me dégoûte, là. Juste à côté, vous avez la douche. Et par contre, je suis choquée, regardez. Les gens de dehors, ils peuvent nous voir nous doucher. Ma vie, ça s'appelle du voyeurisme, ça. Ensuite, ici, vous avez une magnifique salle de bain. Non, mais regardez, en bambou et tout, j'aime trop. Ici, vous avez les toilettes, la pièce favorite de Zizou. Juste ici, vous avez la chambre avec le lit king size qui donne bien évidemment vue sur la piscine et la baignoire. Et là, vous avez mon côté, donc avec la télé, nos valises, etc., etc. Donc voilà, dites-nous si vous validez la chambre. Regardez là-bas, c'est la piscine et la mer, c'est incroyable. Waouh. En tout cas, moi, je la valide fort.
prête, Ania? Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Couper de l'aubergine. Mais c'est pas une aubergine, c'est un zeub. Mais c'est quoi un zeub? Malade ou quoi, toi? Il faut faire 500. Ah, c'est chronométré! Par rapport à la 10 secondes! C'est impossible. Il faut faire 500? Mais c'est pas possible. Il y a personne qui... Non, mais c'est impossible. Oh! Mais c'est impossible! 207, j'ai fait. Mais t'as même pas fini de couper le zeub, wesh. Bah, il est un petit. À toi. Tu sais qu'il faut faire comment, Olivia? Non. Là, t'imagines que c'est la gueule à Zizou. Oh putain, le chronomètre! Là, tu parles trop aussi. Le chronomètre, ça compte pas! Oh non! Oh, ah, c'est la tête à Zizou, je suis trop vénère, je vais péter les plombs! Ouais, dis-toi qu'il est avec une Thaïlandaise là. Quoi? Mais comment ça, avec une Thaïlandaise? Mais ça va pas ou quoi? Mais ça va pas ou quoi? Mais toi, tu te démarres ou quoi? Mais essaie de te prendre mal à côté, bah! Bah, j'arrive même pas à faire ça là. Non, mais là, je suis énervée là, ça y est. Bon, vous allez voir, je vais faire les 500. Elle a fait combien, Nia? Moi, je fais 91. Moi, 200 et quelques. J'ai battu, Nia. Je m'en fous d'avoir battu quand même. Tu m'as pas battu. De toute façon, il y a personne qui arrive à faire les 500. Trouve-moi une personne mais qui arrive à... Mais le chronomètre! Ah, oh, t'es nul à chier. Eh bah, trouvez-moi une personne qui arrive à faire 500 et moi, je m'abonne. Waouh. Ah bah, wow. Ouais. Eh, envoyez les nouveaux résultats. रानी माई तस्वर्ग से धरी है मजा कर भाई दोनों जने रानी माई तस्वर्ग से धरी है मजा कर भाई दोनों जने मजा कर भाई दोनों जने रानी भौजी अलग कोई दे भाई मजा कर भाई दोनों जने Bon, je rigole, maman. En vrai de vrai, t'as une chambre. Est-ce que on leur fait le room tour de ta chambre? Oui. Par contre, toi, maman, t'as une petite chambre. T'as pas la villa comme nous. Hein. Pourquoi? Bah. Pourquoi t'as joué le crowbar? Je vais. Attends. Non. Je rigole. Donc là, t'as ta piscine. Ma piscine privée. Ma baignoire. Juste toi qui me regarde en haut. Maman, il te regarde, le vieux. Non, arrête. Monsieur, s'il vous plaît, pas regarder. Hein. Non, mais attends. La salle de bain. Waouh. T'aimes bien? Ouais. Ça te plaît? Ouais. Ah, mon grand lit. Waouh. Et pas comme toi. Hein. Moi, c'est beau, c'est rangé. C'est cassé, hein. Il y a un problème avec la lumière. Là, je rigole pas, là, j'ai fait un câble. Là, je rigole pas. Comment ça, j'ai pas de lumière? J'ai peur. Ah, t'es contente? Ouais. Mais par contre, maman, je vais te dire, ça coûte 10 000 euros la nuit. Mais jamais de la vie, j'ai payé 10 000 euros. Mais ça va pas, on rentre, enfin. Mais ça, on rentre. Bébé. Quoi? J'ai une question. Dis-moi. Si tu dois sauver la femme la plus fraîche, la plus bonne du monde, ou moi, tu sauves? Bah, toi, bébé, bien évidemment. Non, attends, t'as pas compris la question. Quoi? Si je dois sauver la femme la plus belle du monde entier, la plus bonne du monde entier, ou moi, t'as pas le choix, tu dois en sauver une, tu sauves qui? Bah, toi, bébé. Non, mais mon cœur, tu fais exprès ou quoi? Tu es la plus fraîche et la plus bonne de tout ce que tu vois, mes yeux. Ah. Bah.